Yo, l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi, nous allons développer deux points pour une information. Mais avant de faire ça, équipe Bombard Media Now là, voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Now pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard Police, équipe Bombard Media Now là, nous apprécier ça. Et si c'est premier fois visiter nous, information nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo. En ouais. Gouvernement États-Unis a déporté environ 30 haïtiens mardi qui était 26 mai 2021, mais parmi 30 moun sa yo, Emmanuel Toto Constant pas joun là-dedans. Emmanuel Toto Constant c'est un ancien paramilitaire leader qui a accusé qui était tué en pile et torturé en pile moun ici en Haïti. Gouvernement haïtien a parlé avec officiel dans gouvernement États-Unis yo. Pour pourquoi déporter Toto Constant, retour Toto Constant dans le pays qui a déstabilisé le pays, plus. Nous voulons faire connaître Jean-Nego Bonnet Delva, qui est directeur office migration pays, dit 16 dans 30 monde qui ont une déportation, une histoire criminelle dans les États-Unis, et puis le gouvernement des États-Unis a dit tout testé négatif pour maladie. L'autre information que nous avons pour vous, policier SPNH pour la solidarité pour collègues, Jean-Pascal Alexandre, qui a bien joué en bas la police nationale d'Haïti, ici en Haïti. Et nous voulons faire connaître André Michel pour tes précisions sur l'arrestation Jean-Pascal là, dans le paquet pour le prince. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre du temps, nous avons commencé à couler. Recevoir 16 personnes qui ont été condamnées au niveau de la justice américaine et 14 autres, c'était justement des personnes qui
ont été justement en situation de migration irrégulière. Amélie Baron pour FPRFI. Directeur, est-ce que vous nous avez précisé combien de petits mouns qui étaient gagnés sous 30 mouns ou bien sous 14 mouns qui étaient dans la situation de migration irrégulière? Je dis à nous pas constater des petits mouns qui est avec nous, mais déjà dit, ONM qu'on justement remarqué pas mal d'enfants et avec eux. C'est un petit mouns. Bon, pas de nouvelles, mais une fois que nous informer, parce que nous avons une liste justement qui a soumettre nous, parce que le service d'accueil est là, nous tous nous sommes là, nous allons soumettre au niveau de la coordination et formation et information, parce que l'app capable et arriver joindre la presse et comme ça doit. D'accord. Moi-même, c'est Joubert Joseph, je travaille pour Radio Kiskeya. Question pour maintenant, c'est dans les migrants qui viennent, combien de femmes qui gagnent dans eux, comment repartir même? C'est presque même réponse avec Amélie Baron, que m'a passé Baou, mon frère. C'est que l'histoire pour qu'on dépose pour nous. Donc, automatiquement, nous venons au niveau de la coordination. Jeanne Confel, nous avons tenu en conférence pour la presse, côté que toute information ça y est, pour relayer comme ça doit. Juste pour Radio Clé Métropole, et Montilla, qui était condamné par la justice américaine, arrivé en Haïti, qui prend mesure que l'État haïtien va le prendre en termes de. Par contre, suivi avec Montilayo. Merci beaucoup. ONM accueille les migrants. ONM n'est pas là pour décider du sort des migrants une fois entrés en Haïti. Tout simplement, je suis capable de dire ici toutefois, dans le pays donné, il était commis un crime pour lequel, justement, il a été condamné, il a purgé peine. Donc là, son monde qui serait libre. C'est ce que je penserais moi-même. Merci. Une question? Fini. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Si on l'a, comme nous parlons, c'est la police nationale là. Il présente côté que nous, une côté solidarité nous, avec le policier Jean-Pascal Alexandre, qui subit une arrestation qui est faite en dehors de la loi. Et moi, j'espère que la justice pays va triompher côté que nous allons montrer que nous avons état de droit. Et Pascal, Jean-Pascal Alexandre, dit même jeudi, hein, qui subit des arrestations, ça, que la justice pays m'a pu triompher. Ok? Ça qui explique la présence nous là encore aujourd'hui, en tant que Kawel, nous, plusieurs policiers, c'est signe de solidarité. C'est ça qui est pour nous. Dans un pays qui a un état de droit, ça n'a pas supposé être fait. Il y a un syndicaliste, il y a une façon de traiter. Ou pas arrêter un syndicaliste pour conviction. Donc jeudi, nous là, nous venons porter solidarité nous avec le policier Jean-Pascal Alexandre. En attendant qu'il n'attende le policier qui était déjà préparé ou qui peut venir, nous dit que nous là, nous en grand nombre, nous attendons le syndicat à présent. Quel type de solidarité? Solidarité, ça. Nous avons pour nous connaître après que vous finissez d'entendre Jean-Pascal Alexandre. Qui s'est reproché, frère d'amour? Merci. Merci. Je pense que nous avons connu la presse à communiquer. Nous avons connu tout le bagage. Merci. Non, moi, c'est délégué, c'est il est audible. Bon, et encore, et comme des jours, on dit bonjour et avec toute la presse là. Principalement, les presse en ligne, presse écrite et presse télévisée. Et je vous dis à Jean, délégué, c'est il est audible, tout dit là. C'est-à-dire là, nous manifester que la volonté que nous gagnons pour nous accompagner les policiers et tant que syndicalistes. Et nous, je ne veux dire, présence nous, même que nous avons en masse avec 500 policiers là, pas penser que nous venons faire rien qui gagne à voir avec violence. Nous juste venons pour nous assister, frère, de façon pacifique pour que nous fassions et prendre des droits et respecter. Parce que nous, quand la justice pays nous, que son justice. Cap travaille au moins pour la justice avec ça, avec Silao qui est innocent. Mais nous demandons que tout policier n'ait pas besoin de mettre un en tête, non, présence, nous pas manifester aucune idée de vandalisme ou encore idée de violence. Nous seulement vini et nous demandons que chaque policier vienne avec même tendance qui s'est accompagné et assisté. Frère, nous, c'est Jean-Pascal Alexandre, que nous avons pourtant déjà dit à mon parquet de Port-au-Prince. Vous dites pour la justice faite, ça veut dire. Bon, nous disons pour la justice faite,
au moins faire respecter le triomphe. Côté que si là qui est innocent, bon, il va juste avec lui, et si là qui est coupable, la justice condamné. Ok? Bon, n'a pas répondu à une question et tout à l'heure, n'a pas d'accord. Merci beaucoup. Qui est-ce que non, pas moi, c'est délégué Geoffroy Gerbi et c'est délégué du syndicat de la police nationale d'Haïti. Merci. Bon, je sais pas, on retire ça. Non. On va parler. Si tu retires d'une zone, là, va retirer dans mon temps. Avec vous, même? Non. Pour mener enquête sous dossier Jean-Pascal Alexandre. Nous tous connaissons pour qui ça a arrêté Pascal Alexandre. Il a arrêté parce que il dit il fait partie de SPNH. Il a arrêté parce que il a exigé 50 000 gouttes comme salaire pour les policiers. Il a arrêté parce que il a demandé pour gagner 25 000 gouttes sous ces 4 là pour tout policier. C'est pour ça que Luc Mandelil fait arrêter. Mandelil. Et je dis, il était supposé paraître devant juge. Il était supposé paraître devant juge. Et avocat, Ritla Abtani, juge d'instruction là depuis 10h du matin, Abtani, Luc Mandelil, en personne, relais pénitentiaire national, et mandé pour ne pas mener Jean-Pascal Alexandre ici à palais de justice devant juge. Pour qui ça? Parce que Luc Mandelil voulait pour monsieur rester en prison. Luc Mandelil voulait pour monsieur pourrir en prison. Luc Mandelil voulait pour monsieur et pourrir en prison, mourir en prison. Et peut-être il pourra le tuer en prison en tout. Non, parce que Luc Mandelil bon folie dictateur. Monsieur gon folie fait des ordres. Li comprend, li capable intimider tout le monde. Li comprend, li capable paniquer tout le monde. Li comprend, li capable faire salver au coin d'un tout, pas qu'on a rien en question de droit. Son parachuté. Normalement, il n'aurait jamais dû être ministre de la justice. Il n'a pas la compétence nécessaire pour ce poste. Yo balil, l'a fait excel. Et si Pascal Alexandre en prison jodia, c'est Luc Mandelil qui fait arrêter. Pour Jovenel Moïse, pour reste monsieur. Si yon pas menel devant juge li jodia, c'est Luc Mandelil qui relè. Qui fait yon pas menel devant juge li. On est en prison. Injustement, illégalement. Juge d'instruction extrait pour le paraître devant pour le temps d'elle. Mener justice la intervenir personnellement dans la pénitentiaire nationale qui passe l'autre bureau. Maintenant, comparution parfaite. Qui étape nous parle faire? Maintenant, non. La prochaine étape, c'est que le juge d'instruction va devoir prendre une nouvelle ordonnance d'extraction qui sera acheminée au pénitencier national pour être capable de mener. Évidemment, je parle avec le juge là plus tard et je connais dans les heures qui viennent quelle est la nouvelle date fixée pour l'audition de Jean-Pascal Alexandre. Mais de toute façon, de notre côté, on est mobilisé. On est disposé à faire avancer le dossier. Et comme je l'ai déjà dit, je vais le redire, ce dossier, ce n'est pas seulement l'affaire de Jean-Pascal Alexandre. C'est le dossier des 16 000 policiers, membres de l'institution policière. Ils doivent manifester, bien sûr, dans la discipline, leur solidarité avec Jean-Pascal Alexandre. On ne peut pas accepter qu'ils aient arrêté un policier, qu'ils aient mis en prison parce qu'il fait partie d'un syndicat. On ne peut pas accepter que yo arrêté un policier, yo mette le en prison parce que l'a exigé de meilleures conditions de travail. Cela est inacceptable. Et ça, Luc Mandelil l'a fait, inacceptable. Pression l'a fait, lui fait sous pénitentiaire nationale pour pas mener monsieur là. Pression l'a fait sous parquet pour le faire arrêter monsieur. Bagay ça est inacceptable en 2020. Et, comme la défaite du droit est toujours provisoire, comme le droit finit toujours par l'emporter, par triompher, un jour comme aujourd'hui, Luc Mandelil, ministre de la justice de ce gouvernement de facto, aura lui aussi à faire face à ses responsabilités. Ok, nous, avec l'environnement pas propice pour recevoir les policiers Jean-Pascal Alexandre. Pas aucun problème d'environnement que l'environnement gagne. Évidemment, il y a une bande de policiers qui viennent là pour une balle solidarité, ils font dans l'ordre et dans la discipline la plus totale. Pas un policier là qui levait même.
yo tout yo là pour manifester solidarité yo avec Jean-Pascal Alexandre qui c'est frère yo qui a subi persécution de la part des plus hautes autorités de l'État. Mais yo fait dans l'ordre, yo fait dans la discipline. Yo pas fait manifestation, yo pas fait rien, yo là calmement. Ou pas qu'à dire t'es un problème qui fait ou pas mener. Nous dénonçons le comportement irresponsable des autorités de l'État. Nous dénonçons le fait par Luc Mandelil de passer des instructions au pénitencier national pour pas mener Jean-Pascal Alexandre ici à jeudi à devant juge. Mais sous 7 février 2021, il n'y a pas de réflexion. L'article 134-2 est clair. Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. Et là, je vous parle de son mandat constitutionnel. C'est même article 134-2 ça qui fait Martelly te quitter pouvoir 7 février 2016, alors qu'il te prêté serment, justement, 14 mai 2011. C'est même article 134, c'est même constitution ça qui fait que gagne de députés en bas, c'est 3 ans seulement, ils ont passé, parce que l'élection n'a pas été faite en retard, mais ils ont perdu un an. Et si on fait élection l'année prochaine avec gouvernement transition, hein, et puis, gros l'autre président monté 7 février 2022, l'a perdu un an de mandat si nous pas changé constitution. Hein. Et si transition en fait 2 ans, élection en fait 2022, l'autre président monté en 2023, l'a perdu 2 ans de mandat si nous pas changé constitution. Hein. Ah, le président qui a dit ça le vle. Il a dit ça le vle, il a dit ça le 2052, c'est droit-li. Il a dit ça le vle, ça le vle. Mais la vérité, c'est que la Constitution a fixé son mandat. La vérité, c'est que comme l'a dit le Centre de recherche et d'analyse en droit de l'homme, CAD, dans son analyse publiée il y a 4 jours, il n'y a pas de débat sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. C'est fixé pour le 7 février 2021, il n'y a pas à sortir de là. C'est le processus électoral présidentiel initié le 25 octobre 2015, terminé, bouclé en 2016, le 20 novembre, qui a porté Jovenel Moïse au pouvoir. Bref, son mandat prend fin le 7 février 2021. Maintenant, M. Gendoua, pour le choisir, qu'on y a, il y a un ZAM, il décide d'écraser tout le monde en face, il fusille, il touille, il salcatouille, pour le rester. Mais une chose est sûre, son mandat prend fin et m'bralo comment va le rester. Et le pape Jean a fait élection parce qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays avec Jovenel Moïse. Pape gagne élection tant que le procès Petro-Caribé pas fait. Pape gagne élection tout autant pas gagne conférence nationale. Il demande des supports OEA, supports techniques. Mais qui doit demander ça le vle. Mais pape gagne élection là. Parce que OEA doit dire ça le vle. Yo ka dit ça le vle. Mais OEA pas qu'à déployer dans tout pays pour faire élection là. Et c'est ça, et l'autre le disait, et c'est vrai, on peut tout faire avec une épée, mais on ne peut pas s'asseoir dessus. Tout le monde va au café, mais on ne va pas faire. Il n'y a pas qu'à venir pour faire élection. Il faut comprendre que Jovenel Moïse ne peut pas organiser des élections dans ce pays. Chancelier Claude Joseph a déjà instruit plusieurs représentations diplomatiques haïtiennes dans l'idée pour faire suivi avec volonté président Jovenel Moïse. Claude Sonnet qui écrit ça, le vlet, dit ça, le vlet, etc. Bon, voilà. Franchement, ne perdons pas notre temps. Il n'y a pas d'importance de machiner. Ça n'a aucune importance. Même Claude Joseph pas quoi dans sa lettre. Fais-moi confiance. Bon, allemand, bon, m'emballe, j'en barre bien. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'est branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.